connaissez le Noir Fleuret? Ben, c'est un des endroits les plus mystérieux de la Fagne. Pourquoi? Eh bien parce que là, on dit que les quatre vents se rencontrent, qu'ils forment un tourbillon extraordinaire. Pourquoi? Eh bien parce que là, on dit que les quatre vents se rencontrent, qu'ils forment un tourbillon extraordinaire, qui fait que les arbres sont tourmentés comme nulle part ailleurs. C'est presque une image de l'enfer que ce Noir Fleuret. Pour peu qu'on puisse s'imaginer un peu ce que ça peut être l'enfer, bien sûr. Mais il n'y a pas que des arbres au Noir Fleuret, il y a d'autres choses tout aussi inquiétantes. Et il y a une statue qu'on dit être de Saint-Lambert, et que bien peu de gens ont vu. D'ailleurs, il en est beaucoup qui prétendent même qu'elle n'existe pas. Et cette statue, lorsqu'on est un homme de bien, elle vous fait une faveur. Elle vous regarde. Maintenant, je vais vous parler de Toine. Le jour, justement, où Saint-Odile est venu se promener par la Fagne, ben, Toine, il était par là, lui aussi. Oh, qu'est-ce qu'il faisait par là? Je ne vous le dirai pas, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il a vu la Sainte et sa petite chèvre noire. Du moins, il a cru la voir, ou bien il l'a vue réellement, je ne sais pas. Il est redescendu comme un fou au village, il a crié, « J'ai vu Saint-Odile, j'ai vu Saint-Odile, je suis un saint. Oh, » Tout le monde a ri de lui, bien sûr. Alors, il a voulu en avoir le cœur net, Toine. Mon pauvre aveugle! Il avait décidé d'aller voir la statue de Saint-Lambert, dont on lui avait déjà parlé. Alors il est parti. Il a marché longtemps. Et là, il a dû se frayer son passage parmi les branches, toutes tordues. Et puis au bout d'un temps, il s'est retrouvé comme ça d'un coup, devant la statue. La statue impassible, la statue de pierre, avec la haute mitre, le visage glabre, froid. Alors Toine, d'abord, il a été un peu effrayé, puis s'est ressaisi, puis comme finalement, il était dans le fond bien persuadé d'avoir réellement vu Saint-Odile, il a osé s'adresser à Saint-Lambert, et même il l'a fait avec une certaine arrogance, un peu comme on jette un défi. Oui. Il était comme ça, Toine. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Commence. Eh bien, voilà. Saint-Odile, c'est la patronne des aveugles. Eh bien, un jour, Saint-Odile, elle était venue se promener sur la Fagne. Du moins, on le raconte. Elle était habillée comme une maquerale, mais tout en blanc. Et comme il y avait beaucoup de brouillard ce jour-là, on ne pouvait pas la voir à moins de 5 pas. Mais comme elle était accompagnée par sa petite chèvre, et que sa petite chèvre était toute noire, on pouvait quand même se rendre compte que quelqu'un se promenait par là. Et le Toine, vous savez bien, le sautoine. Il allait raconter partout que Saint-Odile lui était apparu, qu'il avait vu Saint-Odile se promener sur la Fagne. Oh, était-ce vrai, ça? Ah, c'est lui qui le disait. Oui. Hein? Ça, je n'en sais rien. Toujours est-il que, un jour, il va trouver la statuette. Il va la trouver et lui demande d'entrouvrir ses paupières de pierre. Mais se sentant très fort après ses apparitions, le Toine.
se montre arrogant et il s'adresse à la statuette comme on lance un défi. Venez, monsieur. Venez, jeune fille, venez de vos mames, donc. Alors, venez, le toine, il dit à Saint-Lambert, parce que c'est la statuette de Saint-Lambert, ceci, pas la statuette du fleuret, il lui dit, imposez-moi une épreuve, n'importe quelle épreuve, et vous verrez comment je vais m'en sortir. Et vous verrez que je suis bien capable de devenir un saint, moi aussi. Peut-être un tout petit saint, mais enfin un saint. Allez-y, dites ce que je dois faire. Alors Saint-Lambert, on n'a pas ouvert les yeux, non. Toine commençait à désespérer quand tout à coup... Non, c'est pas les yeux qui se sont entrouverts, non, c'est la bouche. Les lèvres ont commencé à remuer. Et des paroles, oui, des paroles, des mots, ont fusé, sont tombées sur la neige toute fraîche. Saint-Lambert, il disait, prends un bol d'huile, un bol plein d'huile, rempli à ras-bord d'huile. Pose-le sur le sommet de ta tête et traverse la fagne de part en part sans qu'une seule goutte ne se perde. Il ne faut pas le renverser, ce bol, il ne faut pas qu'une seule goutte se perde. Vous vous rendez compte? Quelle épreuve! Traverser la fagne, ça n'est déjà pas facile, même sans bol d'huile sur le sommet du crâne. Parce que la fagne, c'est plein de mottes, de têtes de mort, comme nous disons. On y perd l'équilibre, on a le pied tué au bout d'un kilomètre. Traverser avec un bol d'huile sur la tête, c'est encore bien autre chose. Eh bien, Twain, il a accepté, il est parti. Il a pris un bol plein d'huile, il l'a posé sur sa tête. Il a commencé à traverser la fagne. Et traverser la fagne, ça n'est pas facile. Il y a des mottes de terre, des têtes de mort, comme nous disons, qui vous tuent les pieds au bout d'un kilomètre. Il faut sans cesse rétablir son équilibre. À chaque pas, on risque de tomber, de s'enfoncer jusqu'au ventre dans la fange. Et pourtant, Twain avança, il ne voyait rien. Et tout autour de lui, c'était le merveilleux crépuscule de la fagne. Et Twain avança, il ne pensait qu'à son bol d'huile. Twain. Il aurait bien voulu être un saint, finalement. Alors, c'est tout ce qui importait pour lui, là. Il avançait. Il y est arrivé, et pas une seule goutte d'huile ne s'est perdue. Oui. Alors il est revenu trouver Saint-Lambert, la statue de Saint-Lambert au fleuret. Il lui a dit, voilà le bol, pas une goutte d'huile ne s'est perdue, là, c'est vrai. Alors maintenant, hein, maintenant, j'ai la preuve que vraiment, cette apparition de l'autre jour, c'était vrai, n'est-ce pas? Vous croyez que je pourrais devenir un saint, ou un tout petit saint, mais enfin, un saint? Alors Saint-Lambert a pris la parole et lui a dit « Imbécile, dit, mais qu'ai-je à faire de cette huile? Qu'ai-je à faire de ton huile, dit, pendant que tu marchais comme ça avec ce bol sur la tête? Combien de fois, dit, combien de fois as-tu pensé à... » Eh ben le babou, t'en fais de belle. Parce que le pot m'a pas fait s'il vous plaît. Ah, bon, le cas des verres blancs, c'est un fort bonheur, jamais plus noir que On est venu dans son petit polka ou bien de mazurka? Non, non, non. On s'est arrivé dans son petit polka ou bien de mazurka, vous mais... Non. Non, 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 non. Non, 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 non. On ne peut pas venir dans son tchou, là, non. La, 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 J'aime les astronautes. Bon, on y va. Ah,
plus de ça, si vous voulez. Vas-y! Vous êtes bien aimable. Le petit a tellement froid. Excusez-moi, je n'y pensais plus. Voilà, venez. Vous roulez encore 700 ou 800 mètres. Là, vous allez voir un panneau de signalisation, un panneau de danger pour le verglas. Alors, vous continuez encore un peu et vous allez voir une roulotte qui a versé près d'un panneau publicitaire. Et là, vous pourrez vous arrêter. On sera arrivé, pour nous, c'est un peu plus loin à travers bois. Tiens, je croyais qu'il n'y avait pas d'habitation par là. La nuit dans les bois. Vous n'avez pas peur tout seul? Je ne suis pas seul. Oui, mais il est fou, lui. Oui, peut-être. Vous ne vous ennuyez jamais? Non. Et vous y passez toute l'année? Toute ma vie, madame. Qu'est-ce que vous y faites dans vos bois? Si je comprends bien, vous vivez comme un ermite dans les failles. Mais alors pourquoi aller amuser ces villageois? Vous n'avez pas peur en hiver qu'il y ait des ours?
On roule depuis si longtemps. Vous ne croyez pas qu'on a déjà dépassé la roulotte? Vous roulez souvent en voiture? Alors, on s'y retrouve pas? Bah, vous en faites pas, quoi, c'est une petite plaisanterie. On parle beaucoup de vous dans la région, alors j'ai tenu à vous amener mes amis. Bah, vous jouez un peu de cornemuse, on vous reconduira, quoi.